J'ai voulu participer parce que c'était une expérience unique et je me suis dit que pour la première fois, on me demandait mon avis sur une question que je trouve très intéressante. Et pour moi, c'est ce qui fait partie de la démocratie, c'est demander l'avis au peuple. Et je me suis dit que si je passais pas le pas de venir maintenant donner mon avis, j'aurais peut-être plus jamais l'occasion de le faire. Donc c'est ça qui m'a donné envie de venir et je trouvais que la question était intéressante et qu'elle valait le coup. Alors le tirage au sort, ça a été un petit peu particulier puisque pour tout dire, à la réponse au téléphone, j'y ai pas cru. Et en fait, c'est par la suite que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de sérieux. Mais c'est vrai qu'on a du mal à y croire parce qu'on se dit pourquoi moi? J'ai rien demandé, j'ai rien signé, j'ai rien rempli. Pourquoi on m'a choisi? Est-ce que je suis légitime? Et puis de fil en aiguille, c'est très bien amené, c'est très bien expliqué. Puis on se rend compte que c'est ce qui est recherché en fait, c'est d'avoir des personnes qui sont des citoyens et qui ne sont pas ancrées dans le médical, qui puissent donner leur avis sur ce sujet. Et donc c'est pour ça que j'ai suivi le chemin. Alors moi, ce qui m'a marqué, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'avoir des contradicteurs, c'est d'avoir des avis complètement différents, toujours bien amenés, toujours bienveillants, et surtout à l'écoute de toutes les questions qu'on a posées, avec des réponses claires. J'ai pas eu l'impression d'avoir été pris de haut justement par des personnes qui sont bien plus sachantes que moi. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans cet exercice justement, d'avoir des personnes qui savent, qui nous expliquent, qui prennent le temps, qui cherchent à comprendre nos besoins et qui répondent à toutes nos questions. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Alors entre citoyens, ça se passe très très bien. Vraiment, c'est bienveillant. Tout le monde est à l'écoute. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de haut de voix. On s'écoute, on s'entend, on échange. Après, ce qui m'a marqué, ben justement, moi, c'est la présidente de l'Assemblée que j'ai trouvé très, très dure. Et c'est là où j'ai vu une différence entre le politique et les intervenants, où j'ai trouvé que, pour le coup, les mots ont été relativement durs. Et ça a été même un petit peu violent à mon goût. Mes attentes sur les prochaines sessions, ce sera justement d'avoir un petit peu plus de savoir sur la question, de nouvelles connaissances, parce que je pense que c'est un sujet qu'on commence tout juste à effleurer, qu'il y a énormément de choses à dire, qu'il y a énormément de choses à apprendre sur ce sujet. Et j'attends beaucoup des prochaines sessions justement pour apprendre sur ce sujet. La bienveillance dans un premier temps, l'échange et le partage.